nouveau produit que j'ai acheté, les crampons Quechua SH900. Donc des petits crampons qui se présentent comme ça. Et ça, avec ce type de pointe, ça va m'aider à monter sans glisser. Et sur les pédales, ça passe. Ça les abîme, mais ça passe. Donc là, j'ai mis les clous. Comme vous pouvez voir, je vais pouvoir monter sans glisser maintenant. Donc là, je vais monter sur quelques mètres encore en poussant. Et ensuite, je vais essayer de remonter sur le vélo. Alors, quand vous mettez des crampons comme ceux que je viens de mettre, je vous conseille de les mettre sur des chaussures rigides. Parce que sur des baskets, c'est pas agréable. Et là, c'est tellement mou, c'est vraiment pas facile de rester dans la trace. Là, vous voyez un chemin qui fait 1 mètre de large, mais réellement la trace fait 30 cm. Bonjour. 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 Yes, ça c'est bon ça. Carrément. Bien ça les gars. Alors pourquoi dans le virage ça roulait mieux? C'est très simple. Parce que quand les skieurs passent, ils prennent de l'appui dans les virages et du coup ils compactent davantage la neige. C'est pour ça. Là à gauche, il y a un petit sentier de vélo. Enfin, c'est un sentier officiel de rando. Mais avec la neige qu'il y a, c'est même pas la peine. Ça roule déjà mieux là. Ah, ça roule bien mieux. Bon, on va essayer de pas se casser la gueule dans la descente. Alors, le chemin est là-bas, mais autant prendre la piste. On verra bien. J'espère ne pas me planter comme une merde. Ouh. Ouh. Ah, je pense que je vais pas mettre les pieds sur les pédales. Ou je vais les mettre, on sait rien. Ouh. Ah merde. Ah la vache. Ah c'est plus marrant qu'en CGD, je vous le garantis. Et là du coup, comme j'ai pas les pieds sur les pédales, ouh, bah du coup le vélo part dans tous les sens. Et c'est vraiment pas simple de gérer pour ne pas se planter. Putain, les skieurs, ils doivent vraiment se régaler. C'est là que je me dis, j'ai les boules de... D'ailleurs, mes putains de problèmes de santé, sportif comme je suis, je pourrais faire du super ski de rando. Et du coup, je peux pas. Ça, c'est dommage. Vous voyez le chalet là, où il y a les barrières à côté du sapin? Ça, c'est un chalet que j'aimerais bien avoir. Vivre ici toute l'année. Le chemin est accessible. Et t'es sur les pistes de ski. C'est vraiment chouette comme truc. Là, il faut vraiment faire attention de ne pas planter. Il faut pas oublier que dessous là, wouhou, la merde, il y a bien 60. Bonjour. Ah.
Bon, je suis pas encore tombé, mais ça va peut-être pas tarder. Ouh, ouh. Hop là. Bonjour. Ah. Ouais, merci. Antoine. Ouais. T'as vu, on a fait un coup de descente. Alors là, normalement, il y a un chemin à droite. C'est même pas la peine d'y aller. Ça sera pas accessible. Et de plus, c'est un chemin qui est très isolé. Donc je suis sûr qu'il n'y aura personne. Et si je m'en mets une, je serai tout seul. Donc je veux pas jouer. Là, je suis prudent parce que je veux pas glisser. On a beau avoir des crampons sur les pneus, ça n'empêche pas de glisser. Donc il faut toujours rester très très prudent. Et aussi si on croise une automobile au milieu de la route, avec la neige, ça peut arriver très facilement. Donc faut être prudent. Bon après là, la neige, au contact des pneus, je sens comment elle est. Je peux vous dire qu'en voiture, là, ça glisse pas. Avec 4 pneus de neige, ça bouge pas du tout. Regardez comme c'est beau, la neige sur les arbres et tout. C'est vraiment sublime. Vous voyez, ce genre de rando, même si j'ai galéré les trois quarts du temps, même si je me suis fait mal, eh ben, ça valait largement le coup. Regardez un petit peu comme c'est beau. Vous voyez, ça c'est ce que j'aime sur les routes de montagne. Quand ils déneigent pas complètement et qu'ils mettent du gravier au lieu de mettre de la potasse. Ça c'est génial. Parce que quand on a, pour les monts chutes qui n'ont pas de pneus neige, qui ont des chaînes, ça monte tout seul. Et ça pollue pas l'environnement quoi.